1, 2, 1, 2. Bonjour, donc dans ce numéro, on va faire les montagnes russes. On va monter et descendre les arpèges, ça va nous permettre d'amorcer une étude essentielle dans cette musique-là, l'étude des arpèges, et puis avec un exercice et des exemples, deux exemples qui vous serviront de base pour l'improvisation. Donc les arpèges, moi j'ai pris. Alors déjà, qu'est-ce qu'un arpège? Par rapport à une gamme, par exemple, si certains d'entre vous connaissent les notions de mode grec, en fait c'est la gamme majeure de ré mi fa sol la si do, c'est comme si on avait tous les enrichissements d'un accord. Tandis qu'un arpège, on choisit des enrichissements ce qu'on veut, on n'est pas obligé de les faire tous systématiquement. Je vous propose quelques positions d'arpège pour commencer. En fait, c'est une harmonisation de la gamme majeure de sol harmonisé. Alors, je vais vous montrer les accords qu'on traverse. Le premier accord, ça va être sol majeur 6, avec la neuvième. Éventuellement, le deuxième, ça va être la mineur 6, suivi de si mineur 7. Je reviens sur un accord 6-9 en do. Le ré. Le mi mineur 7 et fa dièse mineur 7 quinte bémol 7e degré. Et je reviens sur mon accord. Ok, donc nous, ce qu'on a vu un peu déjà comme matériel d'improvisation, on a beaucoup insisté sur les triades. Donc bien sûr, je vais retrouver les triades dans mes arpèges. Tonique, tierce, quinte, tonique, tierce, quinte. C'est bien sûr la base. On va lui rajouter quelques notes en fait. Tonique, tierce, quinte, septième majeur, tonique, tierce, quinte, sixième et tonique. Alors, vous regardez un peu la version papier qui apparaît sur le magazine. Ce que j'ai écrit, c'est que j'ai enchaîné tous les arpèges. Vous pouvez, et je vous conseille de les travailler individuellement dans un premier temps. Etc. De changer de tonalité avec le même arpège, comme si c'était une sorte de calque qu'on déplaçait sur le manche. La guitare, et surtout la guitare dans le domaine du jazz manouche, c'est un truc très visuel. Donc servez-vous-en, ça peut vous aider l'histoire. Voilà. Je passe au second arpège. La mineur 6, tonique, tierce, quinte. Je vais chercher la sixième avec une extension. Troisième doigt, barré. Donc là, j'ai fait tonique, tierce, quinte encore une fois. Et la sixième. Notez que ici, je viens chercher la tonique avec le troisième doigt pour être en position après, tout comme ici, je venais chercher la quinte avec le troisième doigt pour être en position par la suite. J'arrive au troisième arpège, j'enchaîne. En fait, là, il y a très peu de différence avec l'arpège précédent. Plutôt que d'avoir la sixième, j'ai la septième. Tonique, tierce, quinte. Septième. Tonique, tierce, quinte, septième. J'arrive sur le deuxième arpège, l'arpège suivant, le quatrième arpège. En fait, c'est le même que le premier. Même accord, même arpège. J'arrive sur Ré 7, accord de 5e degré. Je vais revenir un peu sur ces histoires de cadence et de rôle des accords. Restons dans les arpèges. Tonique, tierce, quinte, septième ce coup-ci. Oh yeah! 7.
mineur, donc tout va bien. Ici, ça va se compliquer un petit peu, j'arrive en fa dièse mineur 7 quinte bémol. Donc déjà, je suis dans l'aigu. Si vous n'avez pas de pan coupé comme moi, prenez-le à la seconde case. Moi, je vais le jouer comme il est indiqué sur la feuille, c'est-à-dire à la 14e case. Ok, donc là, je vais chercher ma tierce mineure. Je commence à être dans les aigus. J'ai ma quinte bémol. Ok, donc quinte bémol, 7e. Et là, il va falloir que je reprenne mon do, c'est-à-dire la quinte diminuée, la quinte bémol. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que je viens faire un petit barré avec le petit doigt. Et donc, je suis à la 17e case. Le petit doigt, c'est un doigt qui est faiblard. Donc, moi, instinctivement, je viens m'aider avec le troisième doigt qui est derrière. J'ai beaucoup d'élèves et beaucoup de gens, et j'y suis complètement ouvert, qui jouent avec le troisième doigt, du coup, qui font une extension. Voilà, un arpège qui est un peu moins facile que... Je l'ai joué à la deuxième case, que les arpèges précédents. Et donc, me voilà de retour sur l'arpège du premier degré. Maintenant, on reste toujours dans cette série d'arpèges. On va jeter un coup d'œil sur les transitions entre les différents arpèges. Et là, faites bien attention au doigté. Voyez-le maintenant, ça comme un exercice vraiment qui va vous permettre de faire un support technique. Et donc, soignez le doigté avant d'accélérer le tempo. C'est très, très important. Je reprends la première arpège. Et là, j'arrive en La, donc avec le premier doigt. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, donc là, je suis parti de l'aigu. Sol, Mi, Ré, Si, la tierce. Je reviens sur Sol, la tonique. Et ici, j'ai fait exprès, j'ai pris le premier doigt sur la septième majeure pour pouvoir ensuite avoir cette position-là. En fait, il y a une triade mineure, mais on retrouve les notes qu'on jouait tout à l'heure, c'est-à-dire le Fa dièse, qui est la septième majeure, le Ré, qui est la quinte, Si, avec le petit doigt, et j'enchaîne. Maintenant, je suis en position pour enchaîner l'arpège suivant. Vous avez vu la transition ici, c'est pas très compliqué. J'arrive donc avec les mêmes doigtés que tout à l'heure sur la tierce mineure, le Do, 8e case avec le petit doigt, et puis tout simplement je viens prendre premier doigt en Si mineur. Ici voilà, ça tombe assez naturellement, je tombe deuxième doigt en Do en fait. Ici il faut faire attention. Même esprit que le changement entre le premier et le deuxième arpège. Je viens prendre la septième majeure avec le premier doigt, mon schéma de triade mineure, j'arrive deuxième doigt en Ré et j'enchaîne. Alors ici, il y a plusieurs solutions. Moi je crois que... Ouais. Je garde le même doigté et puis en fait je viens faire une extension avec le petit doigt pour prendre le Fa dièse sur la corde de Mi. Et tomber avec le premier doigt en Mi mineur, ou alors vous pouvez faire l'extension ici avec le deuxième doigt, ce qui sera peut-être un petit peu plus simple. Le petit doigt arrive naturellement, j'enchaîne, et là je assez naturellement je viens avec le premier doigt. Un petit focus sur la main droite et le médiator. Je prends comme exemple le premier arpège. Ici, j'ai deux notes sur deux cordes. Donc, je sweep. Allez, allez. Retour. Allez, retour. Allez, allez. Même logique que tout à l'heure. Retour. Et là, je vais redonner un coup d'aller. Premier temps de l'arpège suivant en La mineur. Donc de toute façon, vous allez avoir pas mal d'indications sur la version papier.
les indications de doigté et les indications médiatoires qui vont apparaître. Maintenant, je vais vous jouer l'exercice de A à Z. Ok, bon alors, tout ça, pour l'instant, ça peut vous paraître un petit peu rébarbatif. On va voir des exemples un peu, justement, pour savoir comment on va pouvoir utiliser ça et en faire quelque chose de sympa. Ceci dit, cet exemple, encore une fois, j'insiste, travaillez-le lentement au départ, mémorisez-le, faites un petit peu attention à la main droite, faites surtout attention à vos doigtés, et puis c'est quelque chose à jouer régulièrement, un peu comme un exercice que vous pouvez jouer tous les jours, et ça va vous aider à maîtriser un peu ces notions d'arpège, et puis ça va vous faire un très bon exercice de technique. Donc maintenant, on aborde les exemples. Exemple 1. Et 1, 2, 3, 4. Donc, au point de vue de l'harmonie, c'est relativement simple. En fait, je tiens pendant 4 mesures un accord de Ré 7, 4 mesures un accord de Sol, et puis je finis là-dessus en gros. Ré 7, c'est un accord de 5e degré, qui appelle donc le Sol. Ok, alors maintenant on va détailler un peu comment j'utilise les arpèges là-dessus. Parce que, en fait, de toute façon, si vous regardez, j'utilise pas directement l'arpège de Ré 7 qui est issu des exercices. En fait, regardez, j'utilise l'arpège, le deuxième arpège, l'arpège de La mineur 6. Puisqu'en fait, La mineur 6, c'est comme si c'était un Ré 7 9 basse de quinte. Donc en fait, j'ai utilisé cette position-là. Je détaille un petit peu la première phrase. Bon, il y a les petites notes étrangères, c'est des plans. Ça, si vous connaissez un peu le jazz manouche, c'est le plan qu'on entend partout, tout le temps. Un petit chromatisme. Là, je suis en plein dans l'arpège. Attention, le doigté ici, je vais prendre le do avec le troisième doigt pour pouvoir démancher à la 12e case. Et maintenant, je suis dans l'arpège, dans le schéma de l'arpège de Ré 7 vraiment qu'on a dans l'exercice. Alors, une petite articulation, toujours les fameux triolets. Je déroule mon arpège. Et ici, j'atterris sur sol. Et ça tombe bien. J'atterris sur l'harmonie, sur sol. Alors, ici, on n'a pas vu l'arpège qu'on va utiliser dans l'exemple par lequel on a commencé le cours. Mais regardez, c'est super simple. Vous connaissez cet accord-là, l'accord de power chord de sol. Et en fait, on tourne autour de ça. J'ai juste rajouté ici cette note-là, qu'on pourrait dire que c'est la septième majeure, la tierce, puis après, je suis dans le schéma de l'arpège, de l'accord. Donc, ici, ce qui est intéressant, c'est que je vais utiliser le schéma de mi mineur 7, vraiment qu'on a dans l'exemple que je vous ai proposé. Et mi mineur, c'est le relatif majeur de sol. Tout ça, c'est équivalent en fait. Donc je me sers de ça et je fais. Là, vous voyez, je joue fa dièse qui est la septième majeure de sol. Toujours penser à l'accord qui est derrière. Donc dans l'arpège de mi mineur. Alors là, il va falloir faire un petit peu plus attention au doigté. Demi-soupir. Je continue dans la logique du doigté, mais par contre ici,
Tu viens chercher le sol avec le premier doigt à la 10e case. Le mi, il tombe tout seul sous le troisième doigt à la 12e case. Et je résous, excusez-moi, je résous sur le ré. Pour finir, j'ai réutilisé le premier arpège à quelques détails près. Tout ça, ça reste une base de toute façon. Ok, au début, je commence bien, 7e majeur tonique, ça, on a l'habitude. Ici, je fais un petit barré. Ça me permet de faire entendre la 6e de l'accord, qui est une note on ne peut plus consonante. Tonique, tierce, quinte. Ici, un petit chromatis. Et je finis sur fa dièse. L'exemple 2. Au point de vue harmonie, là déjà, on est un petit peu plus, c'est légèrement plus complexe. Ce que j'ai voulu, c'est que vous vous serviez de ces séries d'arpèges sur des cadences. Et donc là, justement, j'ai fait une cadence complète. J'ai fait ce qu'on appelle un Christophe. Alors en fait, c'est issu d'un morceau qui s'appelle After You've Gone. C'est la première moitié du morceau de After You've Gone. La tonalité du morceau, c'est sol. Par contre, le premier accord, c'est un do. C'est le quatrième degré de la tonalité. Quatrième degré mineur, c'est-à-dire j'ai joué fa7, en fait c'est la même chose que do mineur. J'arrive sur le premier degré. Sixième degré, altéré, mi7. La7, on peut jouer comme ça aussi. Hein. La7, bon là je l'ai joué avec une neuvième, mais c'est un accord un peu plus complexe. Donc la 7, c'est le second degré altéré, encore une fois, il est septième. Cinquième degré, premier degré. Et pour relancer, 2, 5, 1 en do. Et donc do, c'est bien le quatrième degré de la tonalité du morceau After You've Gone. Alors, je sais que pour certains, ça va paraître un peu abscon, un peu obscur, ce que je quand je parle de des cadences comme ça. Bon, maintenant on a vu beaucoup de morceaux, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de suites d'accords qui se répètent entre les morceaux, qui se retrouvent, et ça c'est les cadences. On verra sûrement en détail plus tard dans un autre cours. Donc, voyons un peu, décortiquons ce qui se passe dans le solo. Je commence le solo en anacrouse. C'est le premier temps ici. Et là, je me sers du schéma qu'il y avait en do. Je me sers un peu de cette note d'approche qui est la septième majeure. Chromatisme ici. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? N'oubliez pas, je suis sur fa7, c'est-à-dire do mineur aussi, c'est la même chose. Et en fait, j'ai utilisé l'arpège, le second arpège de la série, mais que j'ai transposé en do mineur. En, oui, c'est ça, en do mineur. Donc, j'arrive sur sol. J'utilise l'arpège de sol. Alors, à des petits détails près. Là, vous voyez que j'ai fait j'ai fait un lanceur. C'est un chromatisme en fait qui atterrit sur la septième majeure de l'arpège. Excusez-moi. Donc ici,
tonique, tierce, sixième, comme tout à l'heure, comme sur l'exemple 1. Tonique, tierce, quinte. Chromatisme. Ça sur Mi 7, ça en fait c'est la gamme de La harmonique mineure. Donc là j'ai fait une petite discrétion par rapport aux arpèges qu'on a étudiés. Passons à la phrase suivante. On est sur La 7, ne jamais mettre de côté l'harmonie qui est derrière puisque tout est lié bien évidemment. En fait, là, vous voyez, je passe d'une triade majeure à une triade mineure. Je passe de l'arpège de La7, c'est-à-dire l'arpège qu'on retrouve en Ré dans l'exemple, que j'ai transposé en La, et après, l'arpège qu'on trouve en fait autour de La mineur 6, que j'ai mis sur Ré. Observez. Donc. Je fais le même truc que tout à l'heure. C'est la même chose quasiment que dans l'exemple 1. Toujours dans l'arpège de Ré 7, mais là vraiment avec la tonique sur la sixième corde. C'est à peu près la même phrase qu'il y a dans l'exemple 1. Après, je vais utiliser un peu de diminué ici. Excuse-moi. Donc là, je suis en sol en fait. Je vais plutôt entendre Sol 7 d'ailleurs, plutôt que sol majeur, grâce au diminué. Ici. Qu'est-ce que je fais? Donc c'est l'arpège de Ré mineur 6 sur Sol 7. La même chose. Ici, je dessine l'accord de Do 7e majeur. Et donc, nous voilà revenus au départ. Donc vous voyez, pour ce numéro, peut-être pas grand-chose sur le journal en lui-même en version écrite, mais c'est assez dense quand même, tout ce qu'on aborde. Et des exemples qui sont... le premier exemple est assez abordable, au tempo cool. Après, ça commence un peu à se complexifier, à être un petit peu plus rapide. Donc ça va s'adresser un peu à différents niveaux... De guitariste, mais en tous les cas, tout ça c'est universel. Et c'est ce que je vous conseille par-dessus tout, c'est de recycler tout ce que je viens d'aborder, et puis de prendre par exemple un morceau chez vous et de faire de vous faire une sorte d'exercice, c'est-à-dire une sorte de solo qui soit pas forcément trimusical, mais qui ne s'arrête pas et qui fasse comme ça les montagnes russes, c'est-à-dire de monter et de descendre les arpèges. Et une fois que vous allez être habitué un petit peu à tout ça, vous allez acquérir des automatismes et vous allez être beaucoup plus à l'aise dans l'improvisation. Donc voilà, c'est du travail, mais c'est sûr que ça porte ses fruits. Donc bon courage et à bientôt.